à tous et à toutes. Je me nomme Madame Bonazibi Dieudrine. Je suis professeure d'éducation physique et sportive au lycée. Aujourd'hui, notre leçon s'intitulera « La gymnastique au sol ». De ce pas, nous allons vous donner des définitions sur quelques concepts sur cette activité. La gymnastique est un art d'assouplir et fortifier le corps par des exercices appropriés. Le gymnase est une salle où l'on pratique la gymnastique et les autres disciplines. Et enfin, le gymnaste est un athlète qui pratique la gymnastique. Ne confondons pas gymnase et gymnaste. Il faut faire excessivement attention. Pourquoi ? Parce que le gymnase, comme on a dit tout à l'heure, est un lieu ou une salle où cette activité est pratiquée, mais le gymnaste, c'est la personne qui pratique la discipline qui est la gymnastique. Ensuite, nous avons le praticable. Le praticable, c'est un espace de forme carrée utilisé pour présenter un enchaînement gymnique. C'est un support sur lequel on met des écrits et un schéma pour présenter l'enchaînement, plutôt pour présenter un enchaînement. Et l'enchaînement gymnique, c'est une suite d'éléments coordonnés liés aux autres. Dans cet enchaînement gymnique, il y a plusieurs éléments, beaucoup de difficultés, qui se suivent et qui forment un enchaînement gymnique. Et enfin, nous avons le but de la gymnastique. À quoi sert-elle ? La gymnastique sert à renforcer les muscles, à assouplir les articulations, à apporter du tonus, de la souplesse et de l'énergie, mais aussi elle permet de redécouvrir son corps. Enfin, nous avons le règlement de cette activité. Le règlement des activités gymniques, appelé code de pointage, est un document qui réglemente la notation des épreuves de gymnastique. La durée d'un enchaînement gymnique en compétition d'élite est de 5070 secondes pour les hommes et 1 minute 30 pour les dames. Entre-temps, nous devrions comprendre que sur le terrain ou lors d'une activité de gymnastique pendant le cours des PES, il peut y avoir modification pendant que un apprenant ou une apprenante est en train de passer son enchaînement. Sur ce, on va écrire certaines définitions au tableau. La gymnastique. La gymnastique est un art d'assouplir, et fortifier le corps par des exercices appropriés. Voilà. Le gymnase. Le gymnase est une salle, où l'on pratique, la gymnastique. Et les autres disciplines. Et enfin, nous avons le gymnaste. Donc, je disais, le gymnaste est un athlète. Le gymnaste est un athlète qui pratique
La gymnastique. Voilà ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Il y a le mot gymnastique qui est l'activité en soi, le gymnase, le lieu où l'on pratique, et enfin le gymnaste, celui qui pratique. Pour revenir au gymnase, n'oubliez pas une chose. Le gymnase, tantôt je l'ai dit, est une salle où l'on pratique la gymnastique, mais aussi d'autres disciplines comme le volley-ball, le handball et aussi le basketball. Donc nous dirons, le gymnase est une salle où l'on pratique la gymnastique et d'autres disciplines de salle. Voilà. Enfin, nous avons terminé donc avec ces trois mots qui prêtent à confusion. Nous passons au praticable. Le praticable. Qu'est-ce qu'on entend parler par le praticable? Je l'expliquais tout à l'heure. Le praticable, c'est un espace de forme carrée. De forme carrée utilisée pour présenter un enchaînement gymnique. Un enchaînement gymnique. Et un enchaînement gymnique. Enfin, qu'est-ce qu'on entend par enchaînement gymnique? L'enchaînement gymnique, c'est quoi? L'enchaînement gymnique, on expliquait tout à l'heure, maintenant on l'écrit. Je disais donc, l'enchaînement gymnique, c'est une suite d'éléments coordonnés liés aux autres. L'enchaînement gymnique, c'est une suite d'éléments. C'est une suite d'éléments liés. C'est une suite d'éléments liés aux autres. L'enchaînement gymnique, c'est une suite d'éléments liés aux autres. Alors, on va modifier parce qu'il y a eu une petite erreur. C'est gymnique. Vous m'excuserez. Gymnique. Voilà. L'enchaînement gymnique. Nous passons au but de la gymnastique. La gymnastique a pour but renforcer les muscles et assouplir les articulations. Le but. Donc je disais, le but de la gymnastique, c'est de renforcer les muscles et assouplir les articulations. Elle, mis pour la gymnastique, elle renforce les muscles et assouplit les articulations. Et assouplit les articulations. Nous continuons. Apporte du tonus, virgule, la souplesse. Je disais tantôt, le but de la gymnastique, c'est de renforcer les muscles et assouplir les articulations. Mais elle apporte aussi du tonus, la souplesse
Et l'énergie. Et l'énergie. Elle permet de redécouvrir son corps. Elle, comme je disais tantôt, mi pour gymnastique, elle permet de redécouvrir son corps. Nous allons faire une petite lecture au niveau du praticable et jusqu'en bas. Donc, nous avons parlé du praticable. Ah, là, il y a une erreur, vous m'excuserez. Praticable s'écrit avec C. Le praticable. Voilà. Le praticable, c'est un espace de forme carrée utilisé pour présenter un enchaînement gymnique. Et c'est quoi un enchaînement gymnique? Un enchaînement gymnique, c'est une suite d'éléments liés aux autres. Et enfin, on a vu le but. Et après le but, nous allons voir le règlement de la gymnastique. Donc, si vous avez fini de prendre note, on va effacer et après, on va voir le but, le règlement de la gymnastique. Voilà. Il faut que ça s'efface bien afin que tout cela soit bien lisible. Voilà. Alors, le règlement de la gymnastique. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du règlement de la gym? Le règlement de la gymnastique, c'est le code de pointage. Alors, nous écrivons ceci, suivez. Le règlement de la gymnastique. Alors, je disais que le règlement des activités gymniques appelé code de pointage. Excusez-moi. Code de pointage. Et c'est quoi le code de pointage? Alors, ce document sert à la notation des épreuves gymniques. Donc, nous disons le code de pointage de points, c'est un document qui réglemente la notation des épreuves gymniques. Qu'est-ce qu'on parle de... Pourquoi dit-on notation des épreuves? Parce qu'il faut noter ces éléments. D'où on parle de la notation des épreuves gymniques. Et après, des épreuves gymniques ou encore des épreuves de gymnastique. Cela dépend. La durée d'un enchaînement gymnique, la durée d'un enchaînement gymnique en compétition d'élite,
c'est-à-dire l'élite au niveau du sport international, voilà pourquoi on a parlé de l'élite, ou encore dans les fédérations, est de 70 secondes pour les hommes. Pour les hommes. Et enfin, 1 minute 30 secondes pour les dames. Voilà en ce qui concerne le code de pointage. Mais à ne pas oublier, tantôt, comme je disais, que ici, cela peut changer par rapport aux apprenants sur le terrain. C'est vrai que c'est au niveau international ou au niveau mondial, mais sur le terrain, lors d'une activité de gymnastique, ces secondes peuvent varier. Mais sinon, cela est prescrit comme cela. Bon, nous allons passer aux caractéristiques de la gymnastique. Mais tout d'abord, nous allons revenir un tout petit peu sur ce... sur le but, sur le praticable, le but et le règlement. Mais n'oublions pas que nous avons vu la gymnastique, le gymnase, le gymnaste et les praticables. Donc, ce sont des mots à ne pas faire des confusions. À ne pas faire des confusions. Merci. Et pour revenir au niveau des secondes, 1 minute 30 secondes pour les filles, pour les dames, si vous voulez, ou pour les filles, mais c'est de 50 secondes à 70 secondes pour les garçons. Voilà, il faut bien préciser. 50 secondes à 70 secondes, donc environ 50 secondes ou 1 minute et 10 secondes pour les garçons. Merci. Nous allons passer à la deuxième partie. Nous avons parlé du but de la gymnastique, du règlement de la gymnastique. Et maintenant, nous allons définir ensemble ce qui caractérise la gymnastique, donc les caractéristiques de la gymnastique. La gymnastique se caractérise par 6 éléments. Le dynamisme, l'amplitude, le risque, l'esthétisme et enfin l'originalité puis la continuité. Et enfin, nous avons des fautes à éviter que nous appelons dans notre jargon pénalités. Dans ces pénalités, nous avons l'arrêt d'un enchaînement pendant l'exécution, le non-respect du circuit, le non-respect du temps, l'exécution d'un élément gymnique hors du praticable et enfin le dynamisme insuffisant. Nous allons mettre tout cela au tableau et après nous allons expliquer. Grand 2... caractéristiques de la gymnastique. Caractéristiques, nous allons essuyer et reprendre. Caractéristiques de la gymnastique. Caractéristiques de la gymnastique. Donc, je disais, la gymnastique se caractérise par 6 éléments. Elle se caractérise par 6 éléments. 6 éléments qui sont. Nous avons le dynamisme. Le dynamisme. Entre parenthèses, effort demandé, court et intense. Effort demandé, court et intense. Court et intense. Ensuite, nous avons l'amplitude. L'amplitude. Au niveau de l'amplitude, occuper le plus d'espace possible et réaliser
le plus grand possible. Occuper le plus d'espace possible. D'espace possible. Et réaliser. Et réaliser le plus grand possible. Voilà le deuxième. Le troisième, nous avons le risque. Le risque doit être maximum et maîtrisé. Le risque doit être maximum et maîtrisé. Et maîtriser. L'esthétisme. Deux points. C'est la nécessité de faire le plus beau avec le plus d'amplitude possible. C'est la nécessité de faire le plus beau, avec l'amplitude possible. L'amplitude possible. Voilà, on va passer de l'autre côté, effacer et enfin continuer. L'amplitude possible. Le risque, je disais tantôt, attendez, nous avons dit l'amplitude. Occuper le plus d'espace possible et réaliser le plus grand possible. Le risque doit être maximum. Le risque doit être maximum et maîtrisé. Le risque doit être maximum et maîtrisé. Doit être maximum, comme on l'a dit, le risque. Le risque doit être maximum. Le risque doit être maximum. Maximum. Et maîtrisé. Voilà. Nous passons donc, nous avons vu l'esthétisme et maintenant nous voyons l'originalité. L'originalité. Avant de passer à l'originalité, nous faisons un peu le recul sur ce qu'on a vu. Nous avons dit tout à l'heure le dynamisme. Faites attention, c'est ma façon d'écrire les N. Hein. Sinon que c'est un N, le dynamisme. Voilà, le dynamisme, l'amplitude, le risque et l'esthétisme. Maintenant, nous passons à l'originalité. L'originalité. Nous passons à l'originalité. Je disais tantôt, nous avons le dynamisme, l'amplitude, le risque, l'esthétisme. Et maintenant, nous passons à l'originalité pour terminer par la continuité. L'originalité, c'est la capacité. L'originalité, c'est la capacité. L'originalité, c'est la capacité de faire. De faire quelque chose de singulier. Quelque chose de singulier. Et enfin, nous avons la continuité. La continuité.
Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la continuité? La continuité, deux points, lors d'un enchaînement, lors d'un enchaînement, lors d'un enchaînement, les éléments gymniques, les éléments gymniques doivent être liés entre eux. Voilà, nous avons terminé avec les caractéristiques de la gymnastique. Pour faire un récapitulatif sur ces caractéristiques, nous avons le dynamisme, nous avons l'amplitude, le risque, l'esthétisme, l'originalité et enfin la continuité. Nous passons aux fautes à éviter. Les fautes à éviter. Au niveau des fautes à éviter, nous avons l'arrêt d'un enchaînement pendant l'exécution. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire un enchaînement et pendant que vous êtes en train de faire un enchaînement, vous demandez un arrêt sans pour autant faire signe au jury. L'arrêt d'un enchaînement pendant l'exécution. L'arrêt d'un enchaînement. L'arrêt d'un enchaînement pendant l'exécution. Point virgule. Le non-respect du circuit. Qu'est-ce qu'on entend par circuit? En amont, on a parlé d'un enchaînement gymnique. Et on a dit, l'enchaînement gymnique, c'est une suite d'éléments coordonnés, liés aux autres. Alors, pour le non-respect du circuit, on vous donne une pénalité. Non-respect du circuit. Et après le non-respect du circuit, nous avons le non-respect du temps. Pourquoi? Parce qu'en amont, on a parlé de 50 à 70 secondes pour les hommes et 1 minute 30 pour les dames. Donc, si vous ne respectez pas ce temps, également, vous avez des pénalités. Non-respect du temps. Non-respect du temps. Ensuite, nous continuons. Après le non-respect du temps, nous sommes toujours dans les fautes à éviter. Nous avons l'exécution. L'exécution. L'exécution d'un élément. Ça, c'est un M. D'un élément gymnique. Hors du praticable. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de faire votre enchaînement, il peut arriver que vous puissiez sortir du praticable. Et quand vous sortez du praticable, ben, il y a des pénalités. Et enfin, le dynamisme insuffisant. Le dynamisme insuffisant. Voilà en ce qui concerne les définitions de concepts, les caractéristiques de la gymnastique et les fautes à éviter. J'espère que le cours a été assez clair. Maintenant, nous allons passer à l'acquisition de savoir pour voir si vous avez retenu quelque chose en vous posant une ou deux petites questions.
Donc, vous allez m'expliquer ce qu'on entend par ceci. Les noms et la définition des lieux où se pratique la gymnastique. On va mettre ça au tableau. Comme ça, on va voir si vous pourriez répondre à tout ça. À partir d'ici. Voilà. Et maintenant. Donne les noms et la définition, des lieux où se pratique la gymnastique. Voilà. Vous me donnez les noms et la définition des lieux où se pratique la gymnastique. Alors, au début de notre cours, je vous ai parlé de ces noms et de ces lieux. Les noms de ces lieux. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut me donner la réponse, comme ça, on va passer dessus. D'accord, donc nous avons les lieux, c'est le gymnase et le praticable. Le gymnase et le praticable. Nous avons donc le gymnase et le praticable. Ce sont les lieux où on pratique la gymnastique. Maintenant, la définition. Nous remontons un peu plus haut, en amont donc. Par définition, qu'est-ce qu'on entend par gymnase? Nous avons dit tout à l'heure que le gymnase, le gymnase est un lieu ou une salle est un lieu, entre parenthèses, salle, où l'on pratique la gymnastique mais aussi autres disciplines et d'autres disciplines de salle. Et qu'est-ce qu'on entend par praticable? Le petit b, le praticable. Le praticable est un terrain. Aménagé et délimité. Aménagé et délimité pour la pratique de la gymnastique. Alors, tout à l'heure, je vous ai demandé de me donner les noms et les définitions des lieux où on pratique la gymnastique. Nous avons les noms de ces lieux, le gymnase et le praticable. Voilà, nous avons défini ce qu'on appelle gymnase et praticable. Ce qu'on appelle praticable.
Donc, du coup, retenez bien ces notions afin de ne pas vous embrouiller. Alors, je disais tantôt, le praticable est un terrain aménagé et délimité pour la pratique de la gymnastique. Voilà la première partie de notre leçon du jour sur la gymnastique au sol. Nous mettons un terme à cette leçon pour aujourd'hui et prochainement, nous allons continuer. Merci beaucoup.